Salut à toutes, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour. Comment ça va? Ouais, la nuit a été très courte à cause de grosses chaleurs qu'on a. Hein. Je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais en fait, ouais, il fait énormément chaud. Et en fait, trop mal dormi. Et après, je me suis fait réveiller par un chat. Voilà. À 6 heures exactement. Là, il est même pas 8 heures, même pas 7 heures. Il est à peine 7 heures. Donc voilà, donc je commence dans mon atelier parce qu'en fait, il y a les enfants, ils dorment. Les enfants qui dorment dans les tentes à l'extérieur. Et il y a ma femme qui va accueillir le petit Raphaël aujourd'hui. Donc voilà, donc il est très tôt. Je vais commencer ma journée parce que hier, vous n'avez pas eu de vlog. Pourquoi? Parce que, donc comme j'ai dit, il fallait que je finisse absolument la vidéo du mariage, donc je l'ai fini, ça me fait plaisir. Donc déjà c'est un truc à enlever, et en plus j'avais pas mal de taf comme Corinne vous a dit dans le vlog d'avant. Donc voilà, j'avais beaucoup de taf, j'ai pas encore fini mon taf, donc voilà, je vais ce matin, ça va être ça, ça va être travail, travail, travail. Ouais, ça arrive que je travaille, ouais. Non, je ne fais pas que glander devant une caméra, hein, je vous assure. Voilà. Et donc j'ai quoi d'autre? J'ai une vidéo encore à monter. J'ai une présentation de page à faire. Il faudrait en plus que je fasse une ou deux pages d'avance pour que vous les ayez la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je suis en vacances. Bah, on est en vacances, Corinne, et moi je suis en vacances toute l'année, vous allez me dire. Hein, mais je sais, il y en a certains, j'entends vos pensées. Hein, je sais, je suis en vacances toute l'année. Enfin bref, on s'en fout. Hey, mais le mec il est en mode rageux ce matin. Non, je déconne, je m'en fous. Ah, vous avez vu, hein, j'ai réussi à presque attacher tout. Presque. Et en fait, pour avoir cette coupe, je me suis fait deux queues de cheval. Ouais. Voilà, c'était pour le côté blabla du matin. Ouais, pourquoi à chaque fois je dis ça, c'est pour le côté blabla du matin? Donc, je vais enchaîner ce que j'ai à faire. Et je vous retrouve. Pour vous dire, hein, hier, j'ai tellement passé de temps à faire mon montage que nous ne sommes pas partis à la rivière. On a juste été dans le spa de 6h30 à 19h. Après tout le reste, j'ai passé du temps sur mon ordinateur, voilà. Et entre les montages, les trucs, nanani, nanana, enfin bref, le travail. Je vous dis à plus tard. Ah, j'ai la tête dans le bien profond, hein. Quelle idée aussi de commencer des vlogs à 7h du matin, et surtout d'essayer de faire une présentation de page à 7h du matin. Allez, c'est parti, je fais ma présentation, je fais ce que j'ai à faire et je vous retrouve plus tard. Bon, on se retrouve après avoir fini la journée de travail. Je n'ai pas filmé la journée de travail. Hein. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait du montage, j'ai fait des designs. Voilà, j'ai recherché des trucs pour nos vacances aussi. Ouais, c'est du travail. Ou pas. Je sens le nombre de pouces rouges qui va augmenter de jour en jour. Ouais, pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai remarqué ça. Donc on est passé de 4 à 6. Le pire, je crois que ça a été le jour du mariage. Ouais, aujourd'hui c'est journée, on parle des pouces rouges. D'accord? Voilà. Même pour le mariage, on a eu quand même des pouces rouges. Même pour une visite, j'ai même eu un commentaire dans la fois qui était genre, il était 6h30, donc je mets mes vlogs à 6h30, il était 6h40 et il y a une personne qui m'a marqué déjà deux pouces rouges. Alors oui, c'est notre quotidien de youtubeur, c'est d'avoir des pouces rouges. Alors on se pose la question, est-ce que les gens sont jaloux? Est-ce qu'ils sont, je sais pas, rageux? Mais en fait, on se prend la tête tous les jours. Ouais, parce que regardez les enfants. Alors, vous allez avoir une session vidéo filmée par les enfants parce qu'ils ont voulu prendre la caméra pour filmer eux-mêmes. Donc, juste après, vous allez avoir une session faute vidéo de filmée par les enfants. Voilà. Et donc, comme je disais, on se prend la tête quand même à filmer tous les jours. Parfois, nos montages, on met une heure et demie, 2 heures même. J'ai eu des montages où j'ai passé 3-4 heures, enfin bref. Et pour avoir une personne, je sais, hein, je m'en fous, hein, franchement, je m'en fous. C'est juste que j'aimerais savoir, j'aimerais être dans sa tête à cette personne et se dire, tiens, le mec, il a bossé sur sa vidéo, je vais lui mettre un pouce rouge.
J'aime pas la rivière, j'aime pas le soleil, j'aime pas ça, je sais pas. Et en fait, parfois, on aimerait être dans la tête de la personne qui met ce pouce rouge là, et pour savoir pourquoi elle a mis ce pouce rouge là. Voilà. Donc, comme d'habitude, tu as envie de mettre ton petit pouce bleu, ouais, j'ai changé de couleur, petit pouce en l'air, voilà, mets ton petit pouce en l'air pour la famille B. Donc, comme je disais, je sais pas si je l'ai dit, mais on est à la rivière avec les enfants. Corinne est encore au travail. Elle finit à 17h30, je crois. Si je me rappelle bien, 17h30, et après, à 18h ou 18h30, elle s'en va. Donc, en gros, on est quasiment seul toute la journée. Ce matin, elle est partie au rame. Donc on est tout seul, les enfants et moi. Je les ai emmenés à la rivière parce que 39 degrés tout à l'heure quand je suis sorti pour aller à la poste. Franchement, c'est abusé, vous allez me dire. C'est canicule partout. Mais en fait, nous, on n'est même pas en canicule, c'est ça le pire. C'est qu'on n'est même pas en canicule, mais bon, ils annoncent du 39, voire du 41. Selon la carte d'ici, ils annoncent jusqu'à 41, c'est abusé. Elle est en train de se filmer. Hop, j'espère avoir la caméra cadrée. Voilà, enfin bref, moi je vais me faire un petit une petite séance de tour de rock balancing. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de photo aussi. C'est bref, il faudrait que je fasse une photo portrait. Ouais, de moi. Ou pas. Voilà, enfin bref, allez, on part sur du montage vidéo des enfants en train de jouer, moi en train de sûrement un time lapse en train de faire mon rock balancer. Ah, j'ai peine à parler. Vive la fatigue. J'attendais qu'il y en ait un qui saute, mais en fait non. Je pense que celle-ci est cadrée. On est rentré de la rivière et donc Corinne n'est pas là. On n'est que nous. Ouais. Oh, la joie des gamins. Vous savez pourquoi ils sont super contents? Parce que Corinne vient de m'envoyer une petite message avec une petite photo où elle est dans une piscine. Et je viens de leur montrer et en gros, ils sont pas contents. On était à la rivière, nous, tout à l'heure. Oui, mais piscine, rivière, c'est pas pareil. Pourquoi? La piscine, c'est mieux que la rivière. Oh, toujours, toujours. Et ils sont jamais contents, ces enfants. Hein, vous êtes d'accord? Ils sont pas contents. On les emmène à la rivière ou à la mer quasiment tous les jours. Madame, elle est pas contente. Enfin bref. Ce soir, pour le repas pour nous, c'est tartines. Donc tartines, tout simple. Donc pain de mie, fromage. Alors je vais pas dire gruyère parce que on va me dire c'est pas du gruyère, c'est des mentales. Dédicace à Nicole. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que tu me le dis que nous en fait on a l'habitude de dire gruyère râpé. Et en fait. Il y a du jambon. Et du jambon. Et pour moi, je me suis fait un avec du graisson. Et de la mayo. Il y a un petit peu de mayo, oui. Et du pain. Et du pain. Pain de mie surtout. Et donc, oui, ça fait plusieurs fois que Nicole me dit que c'est pas de gruyère, que c'est de l'emmental. Et en fait, que nous en France on a l'habitude de dire du gruyère râpé alors que c'est de l'emmental. Voilà. Enfin bref, on va finir. Je vais finir ce vlog maintenant. Bah, on va le finir ensemble. Oui. Avec les enfants. Qu'est-ce que tu cherches? Ah,
ça. Bah tiens, prends l'assiette. Hop. Ah ouais, regardez, allez. En live, voilà. Hop, une assiette pour Aya. J'ai pas. Hashtag, ça c'est la live. Bon, on va vous dire donc à demain. Si tout va bien. Si tout va bien. J'ai des gros pouces bleus. Les commentaires. Il nous a coûté combien ce 1€. Aïe aïe aïe. Merci l'épicerie. Hein. Merci l'épicerie. 1,40€ le sachet de chips de. Merci. De 150 grammes. Oui, là vous avez coupé. Ça fait, ça fait 10 centimes. Ah, non, ça fait 1 centime le gramme. À peu près. Allez, on vous dit donc à demain si tout va bien. Tchou.